Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, un jeu de réflexion nommé Laser Overload, un jeu qui va complètement changer de ce qu'on a présenté, de ce que j'ai présenté sur la chaîne depuis pratiquement un mois maintenant. Donc, je vais vous présenter là tout de suite un petit jeu de réflexion développé par Tap Anywhere. L'objectif est de relier les sources d'énergie aux batteries pour les recharger. Donc c'est un petit jeu, hein, 114 MHz installé sur Android. On va tout de suite commencer. Donc d'après les retours, il y a pas mal de pubs dans ce jeu-là aussi. Donc là on va commencer au niveau 1, c'est une découverte. Voilà, donc au niveau des paramètres, hein, vous avez vu musique, effets sonores et tout ça. La musique je kiffe personnellement. C'est apaisant et c'est pile poil la musique qu'il faut pour un jeu comme ça. Bon, effectivement, premier niveau déjà de pub. Donc là, on est dans les premiers niveaux, c'est assez simple. Niveau réflexion pour le moment. J'ai un toit gratuit. Super. On va gagner 200, qui est parfait. Là j'ai deux sources d'énergie, ok. Donc à moi de voir comment je vais faire. Okay. Donc c'est en croisé. Voilà. Donc on va faire un petit let's play découverte d'une dizaine de minutes comme d'habitude. Voilà. Là j'ai des ampoules, donc ça doit être une aide et pour recommencer le niveau. Et voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque on découvre. Pour l'instant, niveau difficulté, on est sur un niveau 6. Ça reste correct. J'en avais fait un autre, et déjà au niveau 7-8, ça posait déjà pas mal de problèmes. Ok. On va essayer de tourner. Donc j'espère qu'avec les niveaux ils vont varier un peu la difficulté, parce que là pour l'instant on reste avec des triangles rotatifs. Bon, les pubs on peut les supprimer, c'est pas mal. Ok, donc là on a une étoile. Voilà. Donc t'es dans le bus, t'es dans le train, t'es dans le tramway, pareil, tu lances ça, t'as pas besoin de réfléchir. Voilà, déjà c'est un petit peu mieux. Voilà. C'est un cheminement pour pouvoir tout allumer. Donc je suppose que si on va direct au but sans passer par les étoiles, qu'on puisse valider. Là les étoiles on peut pas les faire tourner. Voilà. Donc là, pourquoi il faut les faire ça? J'en sais strictement rien. Donc les pubs, là je le redis, hein, mais les pubs, on arrive à les cliquer rapidement, c'est pas mal. Ça évite de se taper les pubs de 30 secondes, un peu lourdes. Là, ok. Ok. Donc l'intérêt là, je vois toujours pas. Je vais pas le noter maintenant, on est que au niveau 11. On va attendre... Là, c'est comme les jeux de miroir. Oh, c'est pas mal là. Ça se laisse jouer. Et le son qui est derrière aussi est apaisant. On pourrait croire un petit son ASMR. Donc, du coup, j'ai une source d'énergie qui est là, qui est déjà connectée. Pour quelle raison, je sais pas. J'avais une source vers la batterie, oui, j'avais pas vu. Voilà. Ça se complexifie ça un peu mieux.
aucun intérêt. Là, c'est mieux. Donc là, ça va être le même schéma, mais c'est la symétrie. Voilà. Niveau Thérèse. On va répéter schématiquement ce qu'on a fait sur le premier. Rien de bien dur. Ça fait des jolies figures. Cumule des points. Et voilà. Donc niveau 15, pas de grandes difficultés pour le moment comme on peut le voir. Vous avez terminé le pack de niveau, excellent travail. Bon, je vais pas taper la vidéo, on est en vidéo découverte. Du coup, vous pouvez rien. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là on découvre une nouvelle pièce du jeu. Donc là on revient, mais j'ai eu un crash du jeu. Pour quelle raison, j'en sais rien. Mais du coup je retourne sur le niveau 2, là où j'étais tout à l'heure. Du coup là on a une énigme plutôt intéressante. Bon bah nickel. Voilà, ça se complexifie. Donc là, on est au niveau toujours 2, épisode 3. Là, faut que je monte là, là, là. Ok. Faire comme ça et renvoyer ma source d'énergie pour aller recharger l'autre batterie. Parfait. Niveau 2 sur 3. Donc pour supprimer les pubs, il me demande de payer 2,19€. Ok. Là. Et voilà. C'était déjà appliqué en amont. Pas mal. Donc là ça fait environ 10 minutes qu'on est ensemble, on va essayer de terminer ce niveau là. Je vais tout renvoyer par là, on verra après comment je peux situer la chose. Ça, j'ai pas besoin d'y aller par là. Hop. Nickel. Pour profiter pleinement du jeu, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre casque audio sur les oreilles. Le son apporte vraiment, enfin ça met dans l'immersion, moi personnellement. Bon, niveau graphique, il n'y a pas grand chose à dire, c'est super simple, enfin, c'est assez simplifié, donc le principal c'est de pouvoir jouer correctement, même si tout à l'heure j'ai eu un petit bug. Là j'ai une source d'énergie, là j'ai une source d'énergie et j'ai pas été par là. Quelle raison? Je peux la mettre par là. Donc voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. On arrive enfin aux situations un petit peu plus complexes. Tac, on va essayer de chercher ensemble. Ben voilà, en voilà une. Du coup, celui-là, il va aller par là. Voilà, tout simplement. Prendre toujours un petit temps de recul, réfléchir, et puis... Voilà, là, on en a plusieurs.
avec les batteries qui sont là, donc ça va revenir vers nous. Voilà, en voilà une. Deux. Hop. Ah, mais faut que j'alimente celle-là. Je retrouve un mec qui a de config tout à l'heure. Voilà. Ok. Et voilà. Et bah voilà, non, parce que c'est pas terminé. J'ai encore deux batteries à faire fonctionner. Là, je pourrais avoir une aide. Donc du coup, pour les faire fonctionner, sachant que là, je peux pas tourner comme je veux. Voilà. Je peux tourner là, je peux... Non, en fait, ce qu'il faudrait... On la connaît, hein. En fait, il faudrait que ça, ça vienne là par là. Ça, ça vienne là par là. Voilà. Tout simplement. Là, je peux envoyer là, je peux envoyer là, je peux envoyer là. Maintenant, il faut que je trouve comment je peux faire. Donc, la batterie, là, je peux envoyer là. Et là, je peux pas. Je trouve comment faire. Voilà. Là, j'allumais là. Mais là, j'ai pas allumé. Et là-bas, c'est pas allumé non plus. Et là j'arrive pas en allumant. Là ça sert à rien. Ok, donc là j'allume là et là. Là je reçois de là. Donc je pourrais faire ça et ça. Et du coup je reviens dans la même situation que tout à l'heure. Et là j'alimente plus. Pas mal. Ok. Là j'en alimente 3. 2. Là j'arrive à l'alimenter comme ça. Ça me donne rien comme ça. Là, ça va rien me donner. Faut que je reprenne le schéma. Qui alimente là, une qui alimente là, et celle-là faut absolument. Ah. Il me faut absolument que. Ah, il faut absolument que j'alimente celle-ci. Et celle-ci, elle y est plus. Ça va me donner. Là j'en ai 4, mais il manque encore celle-là. On veut bien trouver. Hein. C'est bon. On est là pour ça de toute façon. Donc là, là voilà, elle me donne une solution, c'est de tourner celle-ci. D'accord. Voilà, perdu. Donc là j'ai pris l'aide. J'ai quand même eu 3 étoiles. Donc voilà pour la petite découverte sur Laser Overload, un petit jeu de réflexion. Fort sympathique. J'adore vraiment ces jeux comme ça là où on cherche. Là on a fait les premiers niveaux de découverte, fort intéressant. Il faut continuer. Il y a plusieurs possibilités, diverses et variées. Après on peut rester bloqué éternellement sur un niveau, mais faut pas lâcher le morceau, faut continuer. Donc je vous retrouve la prochaine fois sur la Gata TV sur un prochain jeu que je n'ai toujours pas choisi. J'en ai plusieurs installés sur mon Android. Donc pour ceux qui m'ont demandé, je tourne sur un Xiaomi Mi 9 actuellement. Je pense passer sur la version pro prochainement, là, dès qu'il va être disponible. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut !